Merci encore de vous joindre à vous. Comme j'ai dit, mon nom, c'est Karianne White. Je suis responsable pour le guichet de soutien à l'accès aux données avec le réseau de recherche sur les données de santé du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner un aperçu de la séance. On va parler du guichet d'accès aux données et à RDS Canada. On va parler des ressources et des outils accessibles aux chercheurs et vous donner des conseils pour faire une demande de données réussite. Après ça, on va passer par la période de questions et réponses. Bon, pour débuter, je voulais souligner la mission du RDS Canada, qui est de réunir des personnes et des organisations de tout le Canada pour une utilisation transformatrice et de premier plan sur les données sur la santé. Le réseau a été créé en reconnaissant les obstacles que les chercheurs sont confrontés quand ils veulent faire de la recherche multirégionale. En conséquence, le guichet a été créé pour donner un soutien à l'accès aux données et aussi pour s'assurer qu'on a une amélioration de nos services pour soutenir nos chercheurs. Dans cette session, nous apprendrons comment le GSAD peut vous aider à naviguer le processus d'accès aux demandes de données et les services et les outils centralisés disponibles à vous. Bon, le guichet d'accès de soutien aux données est un guichet unique pour les chercheurs qui souhaitent accéder à des données multirégionales qui viennent d'au moins deux organisations ou deux régions. Quelques 13 organisations font partie le réseautage GSAD et collaborent pour faciliter les demandes d'accès aux données. Parmi ces membres, on compte des gens de Colombie-Britannique, en Ontario et plus récemment, nous avons l'Institut de statistique du Québec qui se joint à nous, ainsi que d'autres organisations pan-canadiennes comme le Statistique Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé. Notre guichet, c'est sûr, coordonne les échanges entre les équipes de recherche et les centres de données pour rendre les démarches d'accès de données plus faciles et plus efficaces. Mais il est important de noter que les données ne sont pas stockées par le guichet d'accès au soutien de données. Ils sont vraiment avec les centres de données qui sont membres de notre organisation ou notre réseautage. Nous continuons toujours de respecter les lois et les politiques locales en matière d'accès de données. Depuis le lancement du GSAD en 2020, nous avons élaboré des processus simplifiés pour offrir un soutien de meilleure qualité aux chercheurs qui accèdent à des données multirégionales. Nous avons aussi mis au point certaines ressources et des outils centralisés desquels je vais parler plus tard dans la présentation. Bon, le GSAD peut faciliter l'accès aux données stockées par ces organisations membres, telles que les données administratives, les sorties des hôpitaux, les visites d'urgence, les données cliniques, y compris aussi des dossiers médicaux électroniques, les données sociales, par exemple, par rapport à l'éducation ou à l'immigration. Et depuis, nous travaillons toujours à essayer de mettre à jour les données qu'on a par les membres qui sont fait partie du GSAD. De plus, on collabore avec différents groupes, comme le Partenariat canadien pour la santé de demain et l'Étude canadienne sur le vieillissement pour acheminer leurs données aussi, et pour si ça n'est déjà pas fait, et afin de faciliter le couplage de données à ces fichiers. Il y a aussi la possibilité de relier les données recueillies par les chercheurs à des données administratives. Enfin, l'inventaire des banques de données donne un aperçu sur toutes les données disponibles par intermédiaire du guichet. Et je vous encourage de visiter notre site Web pour en avoir plus d'informations. Pourquoi mener une recherche multirégionale? Mais c'est sûr que quand on fait ce genre de recherche, ça peut nous aider d'avoir une représentation accrue de la population canadienne, évaluer les tendances et les variations à travers le Canada,
valider les résultats des études ou des algorithmes dans différentes provinces, étudier les maladies rares et évaluer les impacts de données démographiques, politiques et les interventions provinciales. Pour ceux qui souhaitent mener des recherches multirégionales avec le JSAD, on est là pour faciliter votre demande dans une seule voie coordonnée. Pour commencer, vous avez simplement à vous inscrire pour obtenir un compte JSAD gratuit sur notre portail Web et remplir le formulaire de demande. Ce formulaire-là vous demande des informations générales sur votre projet, telles que comme les objectifs de votre projet, les données qu'on aimerait acquérir et puis d'autres informations en temps de consentement. Tout dépendant de comme les informations qu'on a acquises, après ça, on coordonne une rencontre téléphonique avec notre équipe JSAD et les membres qui font partie de notre réseautage. Après ça, on passe en revue votre projet et on aide à regarder les informations que vous avez soumises dans votre formulaire de demande et on adresse certaines questions telles que les données voulues, si on a besoin de certaines démarches d'éthique, si on a besoin d'obtenir un consentement, s'il y a le couplage de données. Après ça, une fois que toutes les informations sont fournies, nos centres de données et nos membres d'organisation sont dans une position de faire une évaluation de votre projet et s'assurer qu'il y a la faisabilité et aussi estimer les coûts afférents avec votre projet. Si le projet est jugé d'être faisable et si les chercheurs confirment qu'ils ont le financement pour procéder avec leur demande et veulent aller en avant, on passe à la prochaine phase qui est de remplir le demande d'accès aux données. Ça, c'est le deuxième formulaire. Durant ce formulaire-là, on s'assure qu'on a un bon plan d'analyse pour votre projet, qu'on a toutes les informations qu'on a besoin, ainsi que tous les formulaires et les ententes d'éthique et quoi que ce soit. Et puis, on coordonne avec vous des réunions pour s'assurer qu'on a toutes les approbations et, comme j'ai dit, rédiger les ententes, préparer les données et les rendre celles-ci accessibles pour vous. Et puis, certains centres aussi donnent des services d'analyse aux besoins. So, comme j'ai dit, l'équipe coordonne des réunions régulières avec vous pour s'assurer la progression du projet. Une fois complété, les demandeurs peuvent accéder aux données dans le respect des politiques de centre de données locales et après ça, ils reçoivent leur facture correspondante. En parlant des coûts, c'est sûr que les coûts vont varier selon la complexité du projet. C'est pour ça que quand on remplit le formulaire de demande dans la première phase, c'est là qu'on peut vraiment évaluer le projet et déterminer les coûts connexes. C'est sûr, si vous faisiez des changements au long de votre projet, que ça se peut que les coûts estimés vont changer. En même temps, surtout si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aussi consulter notre site Web. On a des informations plus précises sur les coûts pour certaines activités qui se passent. Mais c'est important à noter que les services de coordination qui donnent le JSAD, ça, c'est gratuit. So, vraiment, les coûts qui sont associés avec le projet, c'est vraiment les coûts de recouvrement par les centres de données en faisant votre demande. Bon, pour les délais, encore là, ça va dépendre tout de votre projet et la complexité. C'est sûr, si on a l'accouplage de données ou s'il y a plus de sites visés, ça va, t'sais, coûter plus cher. Mais après avoir examiné votre projet dans la première phase, on est dans une meilleure mesure de vous d'évaluer le projet, de vous dire la faisabilité et d'estimer les coûts et les délais. Bon, sur notre site Web, on a plusieurs ressources qui sont vraiment utiles pour les chercheurs. On a l'inventaire des banques de données qui donne un répertoire de banques de données associées avec nos organisations membres. Et ça, c'est une excellente ressource pour se faire une idée de données accessibles lors qu'on décide sur notre projet. L'inventaire d'algorithmes, lui, est une autre ressource accessible sur notre site Web. Celle-ci donne des algorithmes qui ont été validés dans plusieurs provinces ou territoires canadiens.
On a aussi la section sur la protection des renseignements personnels et celle-ci donne des renseignements concernant les données de la santé et leurs utilisations dans le cadre de la protection de la vie privée. Et finalement, vous pouvez consulter notre site web encore pour des renseignements sur les processus locaux d'accès de données et les exigences et les services particuliers. So, pour tous nos membres qui font partie de notre réseautage. Nous invitons toujours les chercheurs à consulter ces ressources, surtout avant de faire une demande à JSAD. Finalement, on a aussi des outils centralisés pour aider votre demande. Sur notre portail web contient des formulaires intégrés pour faire une demande d'accès aux données. Il y a trois formulaires qui font partie de ce processus. La formulaire de demande initiale, où est-ce qu'on collecte des renseignements généraux sur votre projet, tels que les objectifs de votre demande, les sites visés et surtout les types de données qu'on aimerait ça recueillir. Après ça, ces informations-là, ils sont intégrés au plan de collecte de données. Dans ce plan-là, on a plus de précisions sur les méthodes et les types de données qu'on aimerait ça avoir pour et le plan d'analyse. Et finalement, quand on est prêt à passer en avant avec une demande et puis on a les financements en place et qu'on sait que le projet est faisable, ben on peut remplir un formulaire d'accès aux données. Ce formulaire-là est vraiment où est-ce qu'on recueille les informations vraiment critiques pour le projet, telles que les démarches éthiques. Et c'est à ce point-ci où est-ce qu'on peut joindre des documents pertinents, tels que les formulaires de consentement, les lettres de financement nécessaires et l'approbation de votre projet. Ces formulaires centralisés sont conçus pour faciliter la tâche des chercheurs en leur évitant à remplir plusieurs formulaires pour les différentes provinces, les territoires et les membres qui font partie de notre réseautage. Et encore là, ce centre collaboratif, ça aide aussi nos différents centres de données s'assurer que tout est bien fait pour votre projet et qu'on a la disponibilité des données et des services. C'est sûr qu'on a toujours des nouveaux membres qui se joignent à nous. Dernièrement, on vient juste d'avoir le membre de l'Institut de statistique du Québec qui se joint à nous, puis on est très content. Et on continue à harmoniser nos processus pour s'assurer qu'ils font partie de notre réseautage. C'est sûr que ça se peut que dans ces cas-ci, dans les nouveaux membres qui se joignent à nous, qu'il y a peut-être des étapes supplémentaires à faire, mais durant le processus, on s'assure de bien communiquer avec vous tous les formulaires exigés pour faire votre demande. Et ça aussi, c'est le cas pour l'ICIS et le Statistique Canada. Bon, JSAD, pour l'instant, on soutient 25 demandes actives et ça couvre un large éventail de sujets et tels comme les impacts sur les soins psychiatriques, les risques du cancer et on a plusieurs données visées telles comme les hospitalisations, les visites d'urgence, les facturations par les médecins et on a aussi plusieurs différents cas qui demandent le couplage des données administratives. So, c'est vraiment différents types de recherches qu'on soutient complexes. Durant le lancement du JSAD, nous avons appuyé plusieurs projets et on continue toujours à recueillir des commentaires de nos utilisateurs sur nos services. Et jusqu'à maintenant, on a reçu des commentaires quand même positifs qui disent que, tu sais, en particulier, c'est soulageant d'avoir comme une place où est-ce qu'on peut tout remplir les informations et puis on peut consulter les différentes provinces et territoires et leurs centres de données, c'est tout dans une manière coordonnée. Et c'est aussi comme vraiment utile de pouvoir consulter avec ces experts pour avoir de l'avis pour les projets. Nous prenons toujours en compte les commentaires des utilisateurs et on continue de travailler avec nos partenaires pour harmoniser nos processus d'accès de données et on veut toujours offrir une expérience améliorée pour nos chercheurs.
Bon, vous considérez travailler avec le JSAD pour faire une demande de données ou pour vous pensez utiliser nos services à l'avenir, mais vous avez simplement à suivre les étapes suivantes. Premièrement, vous pouvez vous inscrire sur un compte JSAD gratuit sur notre site Web et remplir le formulaire de demande. Comme j'ai dit, ce formulaire-là, il demande des renseignements de base sur votre projet, tels que les services voulus, les sites visés, les données que vous aimeriez acquérir. Et après ça, on peut établir une rencontre avec l'équipe de recherche et puis les centres de données qui font partie de votre demande pour passer en revue le projet et les informations que vous avez données. On vise que cette rencontre se passe dans les 5 jours ouvrables de la réception de votre formulaire. Et après ça, une fois qu'on a toutes les informations qu'on a besoin, on peut regarder votre projet et faire une évaluation de la faisabilité de la demande et aussi une estimation des coûts. Et on essaie de retourner cette information dans les 2 ou 4 semaines après la rencontre. C'est sûr que le délai peut varier selon la complexité du projet, le degré de préparation ou la disponibilité de l'équipe de recherche quand vient le temps de répondre à vos questions, mais nous ferons le mieux possible de respecter votre horaire. Mais toutefois, on vous encourage toujours de s'assurer d'avoir 4 semaines avant de votre projet pour s'assurer qu'on a tout en place pour vous appuyer. Bon, je voulais donner quelques conseils pour une demande réussie. C'est sûr, je vous suggère de consulter les ressources sur notre site web JSAD, de vous familiariser avec les lois et les politiques concernant l'utilisation de données à des fins de recherche dans les différents centres de données. Par exemple, quand on parle de l'Institut du statistique du Québec, il est nécessaire de recevoir un certificat d'éthique qui doit être au nom du chercheur attaché à un organisme public québécois et un chercheur local doit être porteur du projet. So, il y a différentes considérations pour chaque région qu'on veut faire la recherche. Et ça, c'est bien de consulter notre site web où est-ce qu'on a comme tous ces processus résumés dans un tableau. On vous encourage aussi de vérifier avec vous que vous avez l'autorité et les consentements nécessaires pour la recherche, surtout s'il y a un plan ou un projet de faire le couplage de données avec des données administratives. Et veuillez bien définir vos objectifs de votre étude et de vos besoins en matière de données. Ça nous aide vraiment à s'assurer la faisabilité de votre projet. Mais c'est sûr, n'hésitez pas à consulter notre équipe dès que possible pour obtenir des conseils. On est toujours là pour vous appuyer. On comprend que c'est un processus complexe et on veut être là pour vous accompagner avec votre demande. Bien, ceci conclut vraiment la présentation du webinaire aujourd'hui. Je veux vous encourager de communiquer avec nous à DACH. À commercial hdrn.ca. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin des conseils et aussi si je ne suis pas capable de répondre à vos questions aujourd'hui par clavardage, n'hésitez pas à communiquer avec vous pour que peux vous donner une réponse plus détaillée. So, on vous apprécie beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui et on va passer par la période de questions-réponses.